J'avais du brocoli dans les dents. Donc on va vous parler de quoi aujourd'hui? On va parler de mesures, c'est ça? On va mesurer des choses. Des chiffres. T'étais bon en maths? Des chiffres. Oui. Bah alors ça ira, deux doigts dans le nez. Finger in the nose. The finger in the nose. In the nose. Allez, allez, on va vous parler de chiffres. Sympa ça. Ouais. Salut. Bon, tout de suite. Donc on y va, on éclaircit les chiffres autour du kilt, c'est ça? Les chiffres autour du kilt, parce que... On éclaircit. On m'en mêle des hausses, des... J'ai eu peur, hein. On ment. J'ai eu peur, franchement j'ai eu peur. On m'en mêle. Quand même, ma chérie. Des hausses, des yards, des métrages, on me dit kilt pour tartan, tartan pour kilt. Mmh. Je crois que tout le monde nage. Ouais. On va essayer d'éclaircir ça. Alors d'ores et déjà je dis merci à Erwan Dehaene qui va se reconnaître parce que c'est lui qui a posté son, son nom. Okay, du le coup, petit... Il va ouais mais il y a peut-être plusieurs Erwan Dehaene sur la planète. Il a peut-être pas envie qu'on dise merci aussi. Ah ben tant pis, moi j'ai envie. D'accord. Parce que il a essayé d'éclaircir aussi. Il a éclairci déjà dans un premier temps sur des groupes kiltés et donc je pense qu'on peut peut-être toucher encore une plus grande communauté peut-être via une vidéo. Et donc... La première chose qu'il faut se poser sur un kilt, ce sera le poids du tissu. Et le poids du tissu, il se mesure en... En ose. O, c'est l'abréviation. O-Z. O-Z. Mais en fait, c'est des ones, des onces. Par rapport à la différente prononciation qu'on peut avoir. Elle prononce comme elle veut, moi je dis des oz. On dit des... On dit, c'est des onces, mais soit. La lettre OZ sera toujours utilisée après un chiffre. Ouais. Et ce chiffre, il va déterminer quoi? Eh bien, en fait, le grammage du fil. D'accord? C'est pas un nombre de fils? Et donc, le grammage, okay, en fonction du ça nombre va de fils utilisés. Ben, ça, je suis sûr. Et donc, en fait, plus il y en a, donc plus le chiffre est grand automatiquement, bah, plus le tissu est lourd. Jusque-là, on reste logique, d'accord? Okay. On va avoir trois catégories de poids de tissu. Donc, je vais dire une bêtise, mais ça a à voir avec le nombre de fils qui dépassent sur le bout du kilt, là, ou pas du tout? Non, c'est l'épaisseur du fil utilisé. L'épaisseur du fil. D'accord? Okay. Donc, on peut avoir un fil de laine, un fil de coton, etc. Ouais, ils n'ont pas le même grammage. De toute façon, même un coton peut avoir un autre grammage qu'un autre coton. Exactement, exactement. Donc ça, c'est vraiment, on parle de grammage de fil, okay, et le grammage de tissu. Et alors donc, on utilise quel type de grammage pour un kilt? Eh bien, trois catégories principales. Okay. On parle de light, de medium ou de heavy. Heavy. D'accord, ouais. On dit le light weight, le medium weight ou le heavy weight. Mm-hmm. À ce moment-là, on parle en fait de 8 à 10 hausses plus ou moins pour le light. On ira sur 10, 11, 12 os pour le médium et à partir de 13, 14, on pourra parler de heavy weight. Moi, j'aime parler de heavy weight quand on en a 15 ou 16 os, d'accord, okay, ouais, d'accord. C'est quand le grammage est déjà très épais. Nous, les polyviscoses qu'on vend, c'est des 16. C'est des 16 os, d'accord. Donc le grammage est épais. On dit qu'un os, c'est plus ou moins 28 grammes, 28,35 grammes, d'accord. Ça, c'est 28 grammes os. À quoi, enfin, 28 grammes. Au mètre carré, un os, au kilomètre carré, 28 grammes. Okay. Si tu as 16 os, tu as 16 fois 28 grammes. Jusque-là, on est d'accord, on parle du poids, okay, du tissu. D'accord. Ok, le poids du carré de tissu que tu, d'accord, vas utiliser pour faire ton kilt. Évidemment que les accessoires, on va toujours les mettre dans une catégorie qui est encore plus faible que le lightweight. Donc on sera à 8 ou 9 os. Une cravate, un nœud papillon, une nappe, voilà, ce genre de choses. Quand vont être on très parle léger, de catégorie régimentaire, alors là on est plus haut encore, okay, que le heavyweight pour les kilts ou le vêtement. D'accord. On va être sur du 18 à 22 os par rien. Okay. D'accord. Donc on va vraiment être sur quelque chose qui est... Quand on rapproche des 50-60 os, c'est du blindage, quoi, en fait. C'est ça. Ça n'existe pas, mais on pourrait imaginer, okay, faire un jour pour une armure, ouais, de chevalier. Donc là, on est sur les trois catégories, on parle bien de poids de tissu. Autre chose au niveau des chiffres autour du kilt, on a la longueur et donc le métrage de tissu, okay, qu'il faut utiliser pour un kilt. Donc ça, c'est le nombre de yards. Ça, c'est le nombre de yards. Le yard, ça vaut un tout petit peu moins d'un mètre, pour nous donner une idée. Ouais. Donc on a 0,93 mètres, hein, d'accord. Donc on a un tout petit peu moins... 91 mètres, merci pour la précision. 10% en moins, quoi. Alors, dans cette longueur de tissu, il faut savoir quand vous commandez sur Internet qu'on peut le commander en single width ou en
double width, d'accord? Donc ça c'est très important. Oui, parce que c'est bien de savoir que ça fait autant de mètres ou de yards de long. Évidemment, la largeur est importante. Il y a la largeur, longueur, largeur, les gars. Donc une largeur simple sera de 28 inches, le double 54 inches. Ou un peu 56 en fait, puisque 28 fois 2, mais c'est un peu moins parce qu'on parle de 54 inches quand on est en double width, d'accord? Parce qu'il y a les ourlets, etc. Pour les couturiers. Donc il faut savoir que quand on veut faire un kilt, imaginons de 8 yards de tissu, donc à peu près 7m30 de tissu. Quand on dit que c'est un 8 yards... Tu me laisses finir ou pas? Ouais. D'accord. Imaginons qu'on veut commander pour 8 yards de tissu et que vous commandiez du double width, commandez 4 yards, on est d'accord? Sinon vous savez faire 2 kilts. Exactement, donc d'où l'intérêt de bien regarder le prix au yard et aussi de savoir s'il est en simple ou en double largeur. D'accord, donc ça c'est important. On a parlé du poids, on a parlé de la longueur de tissu et donc tout ça détermine un poids global d'un kilt. Et un poids global d'un kilt, ben, on le mesure comment? On le mesure le nombre de yards qu'on multiplie par le grammage, donc en oses du tissu. Imaginons un kilt 8 yards, 16 oses. Oui. On aura donc 8 x 16 x 28, 35 grammes. D'accord? Oui. Jusque-là, tu suis. On a 3600 grammes, donc un peu plus de 3,5 kg. Ah, ça, c'est toujours quelque chose qui est mesuré sur une double width. D'accord. Donc, on doit toujours le diviser en deux, parce que c'est toujours mesuré sur 54 inches. Hein. Donc, un kilt de 8 yards fait la moitié de 8 yards 16 oses, on est à peu près 1,8 kg. Donc, ça, c'est pour une grande taille. D'accord. Ça, c'est toujours sur du lainage, sur quelque chose d'assez lourd. Alors, non seulement le grammage du tissu et la longueur du tissu va influer sur le poids du kilt en finale, mais aussi le nombre de plis et le plissage qu'on va utiliser. Parce qu'évidemment, en fonction du pli, on utilisera un peu plus ou un peu moins de yards. Quand on dit 8 yards, on n'est pas à 8 yards pile. Hein. Voilà. On a aussi un peu moins, la taille qui va différer. Parce qu'évidemment, tu utiliseras plus de yardage qu'un petit format, d'accord? Tu parles de moi en disant que j'utilise plus de tissu qu'un autre. Exactement, parce que pour toi, par exemple, un kilt 8 yards va différer. Bah, il risque d'être un peu plus que 8, quoi. À 10 yards, alors qu'un format global pour 8 yards sera entre 6 et 8 yards. Je veux dire qu'un taille poussin, c'est-à-dire l'homme conventionnel, ce sera un vrai 8 yards, quoi. C'est ça, a priori. Et alors les vrais mecs comme moi, on va monter au-dessus, quoi. Un peu plus. On coûte plus cher donc, en tissu. Donc, deux choses qui font varier le poids de votre kilt, évidemment. Ou alors il faut tricher sur le pli. Évidemment, la taille et le pli. Alors, plus le pli est large, et moins il y aura de tissu, évidemment. Hein. Plus il est concentré, et plus il y aura de pli. Et donc, on a évidemment pour rappel de dire que les plis sont sur les fesses, on voit encore trop souvent des plis devant, d'accord, ça arrive encore trop souvent. Je l'ai fait à un moment, il y a très longtemps. De tablier à l'avant, les tabliers c'est les côtés lisses qui se superposent, qui sont bien moins épais que tout ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière c'est le plissage. Dans le plissage, moi, il y en a plein. Hein. Et il y a plein de kiltmakers qui inventent des plis aussi. Ce qui est normal, oui, qui créent des plis. C'est des marques de fabrique. Hein. C'est des marques de fabrique. Ici, moi, j'en ai repris 3 que je trouve intéressants. On vous ajoutera les petites photos. On a le premier qui est le knife pleat. Donc ça, c'est le pli tout à fait classique où les plis se chevauchent les uns aux autres. Et en fait, fait un swing général quand on marche. C'est celui qu'on voit. C'est le plus classique. C'est le plus courant, en fait. C'est ce que le prêt-à-porter fait aussi. Le prêt-à-porter fait ce pli-là. Ensuite, on aura le box pleat. Celui-là, moi, je ne suis pas très fan. Et bien, il y a plein de porteurs de kilt qui vont l'apprécier parce qu'il est assez agréable à porter. Il se plisse un peu moins vite. En fait, ce sont des plis qui sont un tout petit peu plus larges et qui chevauchent des plis intérieurs. Donc, en fait, c'est un pli extérieur, un pli intérieur, un pli extérieur, un pli intérieur. D'accord? Donc, on n'aura pas un mouvement de comme le premier que j'ai utilisé, comme le knife pleat. On va avoir un mouvement qui est un petit peu différent, d'accord? Il ondule plus. Il ondule, on va dire ça comme ça. Et alors le troisième pli, et celui-là je l'apprécie quand même pas mal, c'est le King du Sea. Celui-ci, on va avoir un pli central qui va être en fait le point de démarrage, donc qui est au milieu des fesses en fait, hein, qui va être le point de départ des plis sur les deux côtés, d'accord? Ils vont partir de part et d'autre des deux côtés. Là-dessus, on aura un mouvement qui sera très sympa, donc il va regrouper pour moi les qualités des deux plis. Oui, tout à fait. On aura un mouvement qui est très sympa, en plus une facilité au niveau du confort et au niveau aussi du respect du pli. Mais il est un peu plus compliqué à faire. Il est un peu plus compliqué à faire et donc probablement aussi un peu plus cher. Probablement, oui. Et donc, quelle catégorie choisir finalement quand on commande un kilt sur Internet?
Maintenant que vous savez plus à quoi correspondent les tu vas les donner chiffres, des conseils pour commander des kits sur internet aux gens quand on veut faire du sur-mesure. Ah, d'accord. Le prêt à porter, c'est pas nous, on impose nos chiffres. Tu vois, c'est 16, 11 milliards, tout ça. Je sais. Quand on fait du sur-mesure, c'est là où on doit se poser la question. Donc on a dit... Plus il y a de tissu, plus il faut payer du tissu. Plus il y a de tissu, ça, c'est déjà l'aspect économique. Plus le grammage est épais et plus ça coûtera cher aussi. Attention au double width, single width, parce que là, il y a beaucoup de gens qui se font un peu... Ça, c'est quand on veut faire soi-même. Mais ça, c'est quand tu vas faire soi-même, c'est moins souvent. Qui se font attraper, entre guillemets, et qui ne regardent pas entre les lignes. Donc moi, je dirais, mon conseil, achetez le plus épais possible dans votre budget. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez un budget de 400-500 euros, allez sur de la laine et allez sur peut-être un medium weight qui rentrera dans cette catégorie de prix et qui va être très bien au niveau du look et du confort. Vous aurez peut-être sacrifié 3 yards, hein, mais vaut peut-être mieux un 5 yards épais qu'un 8 yards fin. Voilà, ou, ça, c'est mon ou inversement, ça dépend peut-être au niveau aussi du grammage du kilt, parce que moi, comparé à toi, je préfère qu'il y ait plus de hose et moins de yard. C'est ce que qu'inversement, c'est ça ce que tu as dit, ben voilà. C'est ce que j'ai dit. On se comprend, on est vraiment sur je la même. Je préfère plus de hose et moins de yard. Alors, c'est pour ça que parfois, et on voit des kilts sur mesure sur internet, sur certains sites, on n'est pas là pour faire la pub. Moi j'ai déjà vu des 4 yards. Bien sûr, et qui sont parce que, très alors très que d'habitude, on vend seulement, on dit 5, 8. J'ai déjà vu des 4, j'ai déjà vu des 6, des 7. Parce que justement, c'est pour économiser sur le prix final, hein, faut pas se leurrer. Alors, plus il est lourd, je rappelle quand même les qualités, plus il est lourd, bah, plus il va durer longtemps aussi, puisque le grammage du fil va faire qu'il sera plus long dans le temps, donc forcément. Une meilleure longévité. Il va y avoir un meilleur swing. C'est, la base, c'est le mouvement du kilt. Ouais. C'est-à-dire que plus il est lourd, plus il y a du poids, et mieux il va swinger. Et moins vite il va se soulever avec un coup de vent aussi. Hein. Voilà. Il y aura aussi une meilleure finition du kilt, puisque c'est beaucoup plus facile de presser un tissu qui est épais qu'un tissu fin qui va plus vite se recroqueviller, plus vite former des plis, etc. Donc, plus il est facile, plus il est épais, pardon, et plus c'est facile de le traiter aussi avant de le coudre. Et ensuite, l'entretien clairement est plus facile parce que quand on doit le nettoyer, que ce soit en nettoyage à sec ou en machine à laver pour un prêt-à-porter, plus il est épais et mieux le pli va se retendre par la suite. Bon, à la main pour un LED. Hein. Ou à la main pas pour nettoyage un LED. À sec, hein. Donc, moi, mon meilleur conseil toujours, c'est le plus épais possible dans votre budget. Et je pense que là, on peut répondre vraiment à la question de quel kilt j'achète et comment décrire en fait une offre de tissu sur Internet. C'est très bien. Alors, ah oui, un tout dernier argument, parce que ça, j'avais oublié de le préciser. C'est pas parce qu'il est épais qu'il va être plus chaud. Ça m'énerve quand j'entends ce genre de truc, c'est-à-dire que porter un kilt et vivre avec pour dire qu'il est plus chaud ou moins chaud, si vous avez trop chaud, enlevez votre chapeau, mettez un pull un peu normal, un t-shirt ou une chemise un peu plus fine. Généralement, ce sont les accessoires autour du kilt qui font que vous ayez plus ou moins chaud, c'est pas forcément le kilt en soi. Donc ça, c'est important aussi de préciser. Parfois, oui. Hein. Là, c'est plus une question, à la limite, peut-être de matière que d'épaisseur. Voilà, la matière, et puis après, moi, encore une fois, les accessoires, quoi. Les chaussettes, les chapeaux, les pulls, les vestes, tout ça vont faire en sorte que la chaleur va être là ou pas. Ok, j'ai compris. C'est bien, alors. Check, j'ai réussi. Bonne journée. Salut.